beauté, aujourd'hui je vous retrouve et je vous fais plusieurs vidéos hein, de suite, comme ça ce sera mieux pour moi parce que j'ai déjà des problèmes pour filmer, monter, publier, pas internet, tout ça. Oh, galère. Oh, j'aime pas faire ça, enfin moi j'adore ma chaîne, j'aime bien m'investir dans ma chaîne, je vous aime de trop, mais je peux pas. C'est pas possible, ça me fait péter des câbles. Mais bon, aujourd'hui j'en profite, je peux filmer, ouais, on est motivé, on y va, et en plus j'ai des truc de ouf à vous montrer. Aujourd'hui, c'est la box que j'adore. Et vous savez que c'est une box que j'adore. Bah, justement, le titre. Parce que c'est vraiment, il y a du tout, du make-up, du soin, du random, du truc de ouf. Et ça me surprend de... Alors, c'est un bimestriel, hein, donc du coup, c'est tous les deux mois. Donc là, c'est novembre-décembre. Et allez, mais bah, c'est une box que j'affectionne particulièrement. J'adore, je suis jamais déçue. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Par rapport à certaines autres box, je suis pas jamais déçue. Alors déjà, le packaging... Déjà, quand Hugo sera plus grand, qu'il dépassera pas parce que il me fait des grabouillages, il pourra me la colorier. Ah ouais, les grabouillages, c'est son truc. En ce moment, ça fait avec le feutre et tout. Donc non, je veux pas qu'il abîme cette magnifique boîte. C'est des boîtes que je garde parce que je les trouve super en déco. Alors là, le cul de la boîte est bleu pour le coup. Et vous avez toujours les petits zigouigouis, les petits papiers de soie et tout. Pour la déco, donc ça c'est cool. Je reviens sur la box de la dernière box en gros. Il y avait l'huile de bain que j'ai testée. Je suis pas fan. C'est au melon, mais je pense qu'à d'autres senteurs ça pourrait le faire. Mais là honnêtement, melon, je peux pas. Autant j'adore le melon, enfin, même l'odeur quand je le sens comme ça, j'adore. Mais dans le bain, c'est pas possible. Donc je vais l'utiliser quand même. Mais c'est un truc. Je peux juste pas. Ensuite, le Merci Andy. Merci Andy. Enfin, Andy, normalement. Ça sent le cookie. J'adore de trop. J'essaye de l'économiser. Donc du coup, j'en mets qu'un tout petit peu à chaque fois. Du coup, ça descend pas beaucoup. J'adore de trop. Merci Andy, merci de m'avoir fait découvrir parce que comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je voulais pas suivre la tendance et me dire t'as toutes les youtubeuses qui commandent ça, moi je suis pas comme les autres, moi ma chaîne elle est unique et je suis unique. Voilà, je ne veux pas faire, mais non, en fait c'est des conneries. Si tout le monde en parle, c'est bien qu'il y a une raison, tu vois. Et là c'est parce que vraiment en plus, enfin les gels antibactériens, sachez mesdames que c'est de la gnognotte, hein. C'est un antibactérien, rien du tout, hein. Parce qu'en fait, à moins que vous ayez un antibactérien à large spectre qui vraiment peut être efficace, mais sinon, non. Le gel hydroalcoolique ne sert à rien, hein. Il faut se laver les mains avec du savon et tout. Et d'ailleurs, pour celles qui sont comme moi, vous avez des languettes de savon que vous trouvez chez Action qui coûtent 99 centimes et vous vous lavez les mains même dans les toilettes publiques où il n'y a pas de savon. Comment te dire, ça m'a sauvé la vie. Donc non, merci Andy quand même, parce que niveau odeur, voilà, l'odeur, je veux dire, quand tu te laves les mains et tout, tu remets ça par-dessus, c'est une tuerie de la mort qui tue sa mère, tu vois. C'est une odeur de cookie, vraiment j'adore. Je vais pas vous en parler pendant 15 plombes parce que là, on fait l'édition novembre-décembre, mais voilà, j'adore quoi. Donc j'aimerais, je pense qu'un jour, je serai à même de commander. Comme vous le savez peut-être, c'est une box que je présente très souvent sur ma chaîne, que j'adore vraiment. C'est un peu esprit parisien, bobo, qui font découvrir un peu des tendances fabriquées en France, ouais, des choses un petit peu, qui ont besoin un petit peu d'un coup de boost au niveau commercial, on va dire. Bon, pas Merci Andy, mais d'autres marques qui sont de belles découvertes en général. Donc là, en gros, celle de cette fin d'année s'appelle Winter Party et elle nous permet de fêter l'hiver en beauté. Il nous explique en fait que l'hiver apporte son lot de cadeaux pour ces belles fêtes de fin d'année. Donc, en gros, c'est l'esprit parisien à portée de main, les tendances française actuelle, mais ça je vous en parle très très régulièrement, mais en moi ce qui m'intéresse c'est de découvrir des choses en fait, parce qu'on trouve des belles choses. Et d'ailleurs, notamment une des meilleures choses que j'ai trouvé dans cette box, c'est la boîte à lunettes. Elle est sur le meuble derrière moi en fait, et elle cache mes lunettes de vue, mais je peux pas les mettre en vidéo parce que ça réverbe, enfin ça reflète vraiment la luminosité, donc vous ne voyez même plus mes beaux yeux de biche. Voilà, donc en gros voilà,
Je me perds dans mes explications comme d'habitude. Voilà, la boîte était un de mes favoris et vraiment j'adore cette box parce qu'elle nous présente vraiment des choses de ouf. Et là, en fait, on nous a donné en fait comme condition de les ouvrir et de tester les produits avant d'en parler. Qu'avant je faisais des unboxings parce que j'adorais la découvrir en fait. C'est vraiment un truc que je kiffais faire. Du coup, maintenant je ne partage plus ma découverte de la box. Je la garde comme une grosse égoïste. Voilà. Mais ça, c'est que pour moi. Ah, donc, on va commencer quand même parce que je blablate depuis déjà 7 minutes. On va peut-être arrêter le délire quand même. Alors, premier produit, 200 ml, 39 euros. C'est de la marque Hip. C'est un masque pour les cheveux. Je l'ai pas testé. La meuf, elle dit, faut l'ouvrir pour tester les produits. Mais non, j'ai pas testé. Non, je pouvais pas tester. Ça sent le citron. Ça sent trop bon. Donc, il n'y a pas de parabène, pas de silicone, pas de nanoparticules synthétiques de fragrance. Donc, il est recyclable. Est-ce qu'il y a quoi d'autre dedans? Est-ce qu'il y a quoi d'autre dedans? Je parle vachement bien français. La 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 la. Pas de parabène, pas d'alcool, pas de méthylisothiazinone, pas de phénoxyéthanol. J'en oublie ou pas? Il n'y a pas de silicone non plus. Il n'y a pas de silicone non plus. J'ai envie de te dire, waouh, c'est super! Alors ça, c'est trop bien. Franchement, s'il fortifie les cheveux autant qu'il le dit, ce serait trop trop cool. Donc, Écocert, donc cosmétique biologique. Ça, par contre, Écocert, c'est entre guillemets une des vraies appellations éco-certifiées, quoi. Masque punch pour cheveux fins et déprimés. Alors oui, ils sont un peu déprimés comme moi en ce moment, donc voilà, je vais en avoir besoin. Donc voilà, je suis ravie. Je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Comme là, je l'ai fait pour la box de la dernière fois. Je vous dirai bien. Sur cheveux humides, appliquez le masque punch à la racine en massant votre cuir chevelu. Laissez agir 15 minutes et terminez avec le shampoing Hip. Donc ça, c'est un masque avant-shampoing qui n'est pas précisé avant. Donc masque avant-shampoing. Donc il dynamise, fortifie et redonne de la texture. Mais ça, dans tous les cas, pardon, je vous en redirai des nouvelles. Visiblement, il rééquilibre le cuir chevelu et stimule la microactivité pour booster la repousse du poil. Ça, c'est cool. Résultat, chevelure plus forte, épaisse et brillante que jamais. C'est cool. Jusqu'à 2 fois par semaine. C'est cool parce que vu qu'il n'y a pas de silicone, ça ne sature pas le cheveu. Donc je pense que ça, effectivement, peut permettre aux cheveux de pousser plus vite. Donc voilà, issu du commerce équitable. Donc je suis vraiment contente de ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je passe au deuxième produit qui est une eau micellaire de la marque Tage et qui démaquille, tonifie et apaise pour tout type de peau. Je l'ai testée, elle est vraiment très bien, elle démaquille vraiment très bien. Enfin, moi, les eaux micellaires, j'aime pas quand elles moussent et elles moussent pas. Donc voilà quoi, donc c'est cool. Et elle rince parfaitement les restes de particules de maquillage qui restent sur les cils notamment. Donc je suis très très contente. C'est écrit trop petit pour que je réussisse à lire, mais de toute façon c'est fabriqué en France. Et elle a des propriétés apaisantes et antioxydantes. Donc ça permet d'avoir un teint frais et lumineux. Ça je ne sais pas trop puisque moi j'utilise le soir en complément du démaquillage. Donc voilà. Le flacon de 100 ml est à un prix de 5 euros sur tage.fr. Je trouve que c'est pas cher quand même. Parce que ça, on en a pour une vie hein, quand même. Hein. Enfin, moi, je l'ai utilisé déjà 3-4 fois. Et vous voyez, ça n'a pas trop descendu. Donc, ouais, je suis contente parce que Tage, j'en avais déjà entendu parler. Ils sont vendus notamment chez Marionneau, je crois. Donc là, clairement, Hugo est sorti de la sieste. Donc, j'espère qu'il ne va pas trop nous poser de problème pendant le tournage de la fin de cette vidéo. Parce que j'en profitais qu'il était à sieste pour pouvoir filmer. Donc, je vous disais que Tage, j'en avais bien entendu parler pour le gel moussant. Que certaines avaient adoré sur YouTube. Donc ça, je pense que c'est une très bonne marque et je n'en doute pas. Et elle est vendue, je crois, chez Marionneau ou Nocibé, mais je ne me rappelle plus l'un ou l'autre. Donc voilà, il voulait les tractopelles. Donc je lui ai mis la tractopelle. Donc j'en ai profité pour vous prendre la boîte Marc Labat dont je vous parlais tout à l'heure, la boîte que j'adore, de la boîte que j'adore. Et elle est hyper grande à l'intérieur. Donc je mets mon produit pour les lunettes, ma chiffonnette. Et les lunettes tiennent à l'intérieur. Donc ça, franchement, j'adore. Et on va passer maintenant à une pince à épiler. Et ça, c'est une pince à épiler en fait qui est hyper affûtée.
au bout qui permet en fait d'attraper très très bien et très facilement les poils. C'est de la marque Philosophie, donc pince à épiler féminin mode et ludique, parce que effectivement c'est un buste qui se trouve en fait sur la pince, on va dire, et elle est au prix de 8,90 sur philosophie.com. Alors c'est une qualité premium pour une efficacité maximum pour attraper le poil, et en fait elle mesure 9,5 cm et elle se termine par un morbier, ça s'appelle, de telle sorte à ce que ce soit très très, enfin très très que ça s'attrape très très bien en fait. Et par contre, alors autant j'adore le design, je la trouve canon, mais le prix, je sais pas si vous savez, mais chez Action, pour 2 € et des brouettes, vous avez à peu près les mêmes, et elles pincent extrêmement bien aussi, et elles sont vraiment du même type que ça. Donc je l'ai testée, elle fonctionne hyper bien, honnêtement elle est très pratique, très bien. Après il y a un deuxième design par contre, le rouge et noir là ici, je pense que vous verrez que dalle, mais voilà, moi j'ai celle-ci et il y a le rouge et noir à côté. C'est un chouïa cher, hein. On va pas se le mentir, mais je pense que si elle me dure longtemps, et vous savez que je suis contente d'avoir cette pince à épiler là dans la box, parce que j'en ai 10 000 des pinces à épiler, je ne les retrouve jamais. J'en ai toujours besoin, je gueule tout le temps parce que j'en ai pas à portée de main. Alors une supplémentaire que je vais certainement glisser là-dedans, parce qu'on a toujours besoin, honnêtement. Moi je crois que je suis une des seules filles qui, même dans la voiture, arrive à s'épiler les sourcils, parce que à chaque fois qu'elle va à un endroit particulier où voilà, il faut être nippée et belle et tout ça, elle me dit « Oh, j'ai le poil qui dépasse !» Attaque. Ça, je l'ai fait pendant très très longtemps dans la voiture à ma mère, par exemple, parce que ma mère m'accompagnait partout. Et donc, c'est un truc que vraiment, je fais régulièrement. Et ça faisait longtemps que je n'avais plus de pince à épiler dans mon sac à main. Donc voilà la chose. Je passe maintenant à une petite chaufferette, donc qui vient comme ça. C'est un petit Amtaro, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc la chaufferette, moi je l'ai déjà utilisée. Donc ça, c'est parfait pour c'est une chaufferette pour les mains en fait. Vous cassez la capsule qu'il y a à l'intérieur. Et donc en fait, pour que ça, comment dire, que ça se réutilise, c'est réutilisable, vous la mettez dans un petit chiffon pendant 15 minutes dans de l'eau frémissante. Et donc elle redevient transparente, de nouveau possible de la réutiliser. Donc le produit est à 6,95€. Franchement, c'est pas cher, parce que même chez Nose et tout, les chaufferettes qu'on trouve, elles sont en général vers 6€ aussi, 7€, enfin à peu près, hein, dans ces eaux-là. Et je trouve que franchement, elle est hyper mignonne. Petit Amtaro avec son pompon. Alors il y en a une deuxième version, version Noël aussi, hein, qui est ici en rouge avec des pompons bleus. Donc voilà, c'est de la marque Cadeau Folie. Et en fait, ça fait penser en gros à un radiateur bien chaud. Et moi, je l'utilise notamment sans le truc, enfin sans la pochette. Parce que la pochette, honnêtement, elle sert à rien, ça coupe la chaleur. Je la mets sur mes cervicales, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu mal au cou. Je me fais pas mal de soucis, etc. Le stress me tend les nerfs. Et notamment les ligaments. Du coup, j'aime bien la sentir dans ma nuque. Donc voilà, ça fait, voilà, comme ils disent dans la description, ça a fait nidouiller et c'est ce que j'apprécie. Le site pour Amtaro, c'est cadeaufolie.fr avec un S, folie. Et je vois qu'il y a d'autres petites choses en forme de licorne. Et ça, je ne sais pas si c'est il y a un mug, il y a des choses comme ça, donc j'irai voir certainement. Et pour toute commande, en gros, pas de frais de livraison et 10% avec le code my/happy /folie avec un S, donc /, toujours vous avez moins 10% sur le panier, donc ça c'est cool, valable jusqu'au 31/12/2016. Et je sais pas, j'irai bien voir la petite licorne là, parce que c'est vraiment sympa. Ensuite je passe à un truc de malade mental, c'est un livre donc qui coûte 13,90€ si je me trompe pas. Voilà, c'est aux occasions, bien entendu, c'est la boutique créapassion.com.
C'est la collection modelage et bijoux et c'est Créa Passion qui vous enfin qui vous propose un nail art pour les fêtes. Donc ça c'est trop bien parce que j'adore le nail art, j'en fais jamais hein, mais j'adore le nail art. Donc vous avez plusieurs motifs. Je vous en ferai certainement un. Là il y a un Père Noël. Vous voyez, il y a pas mal de nail art en fait. Voilà. Des trucs plutôt sympas ou moins sympas d'ailleurs hein. Après c'est vous qui choisissez. Mais ça par exemple, j'adore. C'est très sobre, élégant et tout, je kiffe. Donc je vous ferai certainement ça, j'adore. Et c'est Julie Land en suc du blog je suis vernis.com qui a édité en fait ces 20 nail art pour les fêtes. Donc j'essaierai, je vous en dirai des nouvelles parce que comme j'ai 5 mains gauches minimum avec les deux pieds, je suis jamais trop douée en fait. Et du coup, pour moi, c'est nécessaire d'avoir des guides. Ensuite, on passe à une enveloppe cadeau qui se présente comme ça, un peu dans l'esprit Taj, en fait, comme Taj Mahal, un peu voilà, oriental, etc., avec un petit pompon qui... Vous inquiétez pas pour le bruit, c'est clairement Hugo qui regarde la police, hein, parce qu'il adore ça. Hein, la police, mon chéri? Oui. Du coup, ça c'est cool parce que ça vous permet en fait d'offrir les billets pour Noël. Voilà, dans la petite pochette. Donc, elle coûte 2,50 €. C'est relativement abordable. Il y a plusieurs modèles sur www.maskingtape.fr. Donc, ça c'est plutôt sympathique. C'est des décos créatives et originales. En plus, floquées en doré. Comme ça, c'est parfaitement hivernal. Donc, oui, je recommande aussi cette petite chose. Pas très cher. Et ça peut permettre de faire de beaux. Parce que, franchement, dans les magasins, quand vous avez des cadeaux à faire, les trucs coûtent hyper cher. Ensuite, on a pas mal de choses dans cette box cette fois-ci. Alors, on a du thé. Et c'est celui que j'ai en ce moment dans mon. Dans mon verre à thé. Alors, c'est un mélange sucré. Donc, moi, je le sucre. Mais un mélange avec une touche sucrée, épicée à la cannelle. Un peu goût pain d'épices. Vraiment très agréable. Alors, on va voir ce qu'ils disent. Hein, parce que moi, je le perçois comme ça. Donc, c'est un thé de Noël à Paris. Thé noir aromatisé aux épices et à la vanille. Agrémenté de morceaux d'amandes, pommes et cannelle. Accompagné de clous de girofle et de pétales de rose. Donc, c'est www.lautrette. Alors, lautrette.com. Lautrette. J'y arrive pas! De toute façon, tout sera en barre d'infos, donc vous inquiétez pas. Il est vachement bon. C'est du thé noir de Chine et de Ceylan aux arômes d'épices et à la vanille. C'est un must-have. Franchement, il est très bon. Si je le bois, c'est qu'il n'est pas dégueu. Parce que franchement, vous savez comment je suis, je vous le dirai honnêtement si ça ne me. Si j'aimais pas du tout. Le sachet contient 10 grammes et il vaut 1,20 €. Mais c'est rien du tout, ça. C'est que dalle. Et franchement, il y en a pour 3 à 4 thés minimum. Hein, parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et il m'en reste énorme. Ah ouais, j'irai voir. Ça a l'air super, ils sont pas chers. Et franchement, ils sont bons. Donc du coup, super découverte pour ça, moi qui adore le thé. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Merci, box que j'adore, j'adore. Ensuite, on a la bouillotte sèche en forme de chat. Bouillotte sèche en forme de chat. Donc voilà, c'est encore un DIY. Vous savez qu'à chaque fois, je vous dis que je vais les faire et qu'en fait, je peux jamais vous les faire. Après, le Brown Noël. C'est un Brownies de Noël. Donc ça, c'est cool. C'est en forme de sapin et tout. Si vous faites des Brownies for Christmas. It sounds pretty good. Mais comme d'habitude, j'ai pas de chez moi en ce moment, donc je pourrais pas cuisiner, je pourrais pas vous faire la recette. Un jour peut-être, je vous le dirai. Mais c'est cool, mais c'est trop bien. Ils ont toujours des super bonnes idées. Franchement, je sais pas qui est les rédacteurs des petits calepins comme ça, mais gardez-le parce que franchement, que j'adore, vous faites du bon boulot. Moi, c'est une box que j'adore. Ben, c'est con parce que en fait, quand tu dis ça, t'as l'impression que tu fais de la marque, enfin de la pub pour la marque, alors qu'en fait non. C'est vraiment ce que tu penses. Ensuite, cocktail au champagne.
Donc le pink candy cotton, le champana coco ou la soupe de champagne. Donc ça, c'est exclusivement pour les fêtes. À moins que vous vouliez vous beurrer toute l'année. Hein. Mais bon, après, nous... Enfin, moi, j'ai habité à Reims, donc capitale du champagne, on va te dire, avec Épernay. Donc voilà, quoi. Et ensuite, un baume à lèvres maison. Donc, il vous faut de la cire d'abeille, de l'huile d'amande douce, du beurre de karité, tout ça fondu au micro-ondes avec des huiles essentielles. Et en gros, vous mettez ça dans des petits pots. Voilà, et on laisse refroidir et ça fait un baume maison. Donc ça, c'est cool. Ça fait une recette très, très simple. Vous achetez des trucs sur Aromazone et puis voilà. Mais ce que je propose à la box que j'adore, c'est de vous mettre en fait les ingrédients pour les recettes en fait. Des petits ingrédients comme ça que... En fait, chaque recette, vous pourriez le faire avec votre box, finalement. Ça pourrait être pas mal, ça. Une offre dans l'année spéciale pour ça. Ce serait bien, quand même. Donc, vous avez un code promo que je vous écris ici pour avoir un bon de réduction, en fait, sur votre box. Donc, n'hésitez pas à la commander, parce que la box que j'adore vaut vraiment le coup. Vous avez les frais de port offerts avec le code que j'adore jusqu'au 31-12-2017. Tu veux un pinceau? Oui. Celui-là? Non, deux. Ah bah prends celui-là alors. Donc j'ai bébé Hugo qui nous a rejoint parce qu'il veut absolument tremper mes pinceaux dans les poudres et puis se tartiner le visage. Donc je vais lui donner quelque chose à faire. Pour. Tu veux une poudre mon bébé? Oui. Maman elle donne? Tiens, oui. Tu peux prendre ça si tu veux. Tu veux? Oui. Ouais. Tiens, allez, vas-y, tu peux te tartiner, de toute façon on ira au bain après. Bah oui. Bah oui. Maman. Bah oui mon ange. Maman. Amour. Maman. Oui maman mon bébé. Maman. Oui mon cœur. Ensuite vous avez aussi une offre spéciale qui vous permet d'avoir moins 20% sur toutes les anciennes box avec le code promo QJDO. 70 816. Et oui, tu fais coucou avec le pinceau, toi. T'es un coquin. Tu sais que je suis en train de filmer, là? Donc, ça vous donne moins 20% dans la limite des stocks disponibles. Mais comment tu veux que je garde mon sérieux avec un bonhomme pareil? Amour! Tu envoies un bisou? Envoie un bisou aux filles. Voilà. Donc voilà, je vous remets tout dans tous les cas en barre d'infos. Et il est temps pour moi de clôturer cette box et cette vidéo parce que vous voyez que là, ah si, j'ai juste encore un bon plan pour vous. Dans la box, il y a moins 40% sur les produits HIP. Donc tous les shampoings, etc. sont à 12 € TTC. Donc frais de livraison sont offerts. Pour l'achat de 3 flacons. Bref, c'est un bon plan. Donc je vous remets tout ça dans tous les cas en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aimez aussi ce que je vous propose. Et puis mon doudou, lui, il a l'air d'aimer aussi beaucoup. Donc on vous fait d'énormes bisous. Et en fait, vous avez que le son, vous n'avez pas l'image. Eh oui. On va donc vous laisser. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On vous fait d'énormes bisous. A bientôt mes chéris. Ciao. Oh, maman. Bah oui, maman. Oh, oh. Regarde, regarde. Oh, t'es beau. Regarde là-bas. Qui c'est? C'est Hugo? Oui. Il joue avec quoi, Hugo? Un rouge à lèvres à maman? Ouais, oui. Eh oui.